Ça y est? Je peux parler? Parce que je pensais que ça allait durer 2 minutes, la discussion, mais non! Il y a des choses partout! Bonjour à tous, je suis ici, bienvenue pour la suite de Miles Edgeworth Ace Attorney Investigation, première partie du milieu de cette affaire, la dernière affaire. Petit résumé de ce qui s'est passé la dernière fois durant ces 1h10 intenses. Nous nous trouvons actuellement dans un établissement, une ambassade partagée entre deux pays. Attention, incroyable, on va mettre maintenant des images à l'écran pour que vous compreniez. Voilà. Nous sommes dans une ambassade qui appartient à deux pays. Un côté, un de l'autre, et au milieu, une zone neutre telle comme la Suisse, on va appeler ça la Suisse. Et il semblerait que dans l'ambassade de Babal, voilà, il y a eu un incident. En effet, Jean Kistou, le secrétaire de l'ambassadeur de Babal, est mort. Et là où il est mort, le lieu a subi un incendie. Et nous avons retrouvé notre chère Michina, l'assistante de l'agent Leng. Mais ce qui se passe, c'est qu'a priori à Albast, il y aurait eu un incident aussi, quelque chose qui se serait passé. Et bien sûr, notre cher Kay est impliqué dedans, parce que le scénario est notre mission, notre but est de savoir ce qu'il s'est réellement passé, évidemment, pour Jean Kistou, même si sa mort ne me pose aucun problème. Évident! Voilà! Et moult choses telles que un couteau de Albast, notre statut de Primidux, oh c'est beau, de Babal, un document codopien, une note et un manche de couteau, car des choses sont à l'œuvre, c'est compliqué. Alors allons parler à notre cher ami Francis. Nous sommes sous les ordres de Francisca pour le moment. Mais ça, c'est autre chose. Souvenez-vous, dans une affaire précédente, qui était peut-être la deuxième, troisième, deuxième, oui. Et oui, mais bon, je sais pas que je dois être impliqué dans les secrets. Moult secrets. Des faux billets. Comment? De la fausse monnaie. Fait avec de l'encre. Ce qui veut dire que vous faites des billets à la main. C'est ça? Non? Non, d'accord. Oh là là, Jean Kistou était sur les deux tableaux. Toujours plus d'argent. Et bah il est mort. Ouh, l'encre et le billet, oui, c'est... Aussi, certes, mais... Ouais, pour l'instant, il faut un peu plus qu'un mandat. On est quand même sur... on n'est pas sur une maison. Ah, et lui, ce cher... Ah non, oui, bonjour, monsieur, s'il vous plaît, parlez-moi. Ah, pas la haine, non. Oui, très bien, si tu veux. Garde cet art sérieux, non pas cette tête. Oh, encore des billets. Waouh. C'est pas comme si j'en avais déjà. De l'encre. De l'encre. Comme ça. Tu me passes de l'encre comme ça. Genre... Attends, j'ai une encre dans ma poche.
Sérieusement? Et tous ces sites étaient absolument génial. Oh, tout se goupille. Et puis merci, Miss. Mais c'est fou. Une encre. Oui, bonjour, monsieur. Vous, oui, quoi? Non, vraiment? Ça m'étonne pas. Ah, Albast, avec cette magnifique fleur et cette magnifique statue qui ressemble étrangement à Primidux. Mon dieu, c'est le samouraï de scier! Oh, le coup de fouet. Oh, le double coup de fouet. Oh, la tête! C'est un masque. Et qui est-ce? C'est Cameraman. Notre cher ami Paul. Paul des fesses. Ou Paul de cul. Au choix. Je pense que là, on a mis à peu près tous les personnages de Phoenix Wright dans ce My Sage Wolf. On a tout respecté. Un ami. Alors, c'est un grand mot, ami. Un très, très grand mot. Non, vraiment. C'est pas nouveau. Mais vraiment. Oui. Ah. Ah mais rien. Vraiment? Mais oui, mais de quoi? Ah! Pour savoir qui est ce personnage dans la timeline des Ace Attorney, je vous invite à regarder Trials and Tribulations. Ça doit être l'affaire 3, il me semble. Depuis quand cet homme est de... Très bien. Donc le fils est mort. Au moins la descendance est... La descendance est... T'as assuré ? Ouais. Alors, ça va être compliqué. Mais je fais ce que je veux. C'est pas juste. Oh, voici bad.
Enfin, pas de 2. Tu n'as pas changé d'habit en 8 ans. C'est perturbant. J'étais pas loin. J'étais presque pas loin. Moi j'appelle ça de l'acharnement à faire son travail correctement, mais si tu trouves que c'est du respect. Oui! Merci, bad. Dis-moi des choses. Oh, il y a toujours le miroir. Sans doute, écoute, les deux masques sont une famille très très voilà. J'avais pas de fin à cette phrase. Alors, que s'est-il passé? Oh mon Dieu! Oh là là. Peut-être qu'il a voulu faire le samouraï de Noël. On ne sait jamais. Écoutez. Et c'est parti pour l'enquête. L'enquête. Vite, les couteaux! Ah, les couteaux! Un assortiment de couteaux magnifiques pour tenter un motif floral de 595 francs! Vite! Ah. Magnifique statue de Primilux. Ah! La géolocalisation, la localisation des jeux. Ah là là! Le plein de clichés! Merci beaucoup! Parce qu'évidemment en France on est décidé à merde. Des couteaux, des couteaux, des couteaux! Oh! Oh! Attention! Ça fait clic! Oh waouh! Bon, si je fais ma déduction sur ces couteaux et sur New, bah, j'ai pas une lame.
attendez, parce que je suis en train de douter, ça y est, ça commence. Zoom! Ouais, c'est un papillon. C'est un papillon. Et là, on est chez la fleur. Bon bah dans le doute je vais dire que c'est le couteau. Bon bah c'était pas le couteau. Ah tant pis. Je suis passé à jour, bon. Ah, tant pis. On y reviendra plus tard. Oui, c'est normal que ça rame. Waouh, quelle photo! Oh, waouh! Oh là là! C'est vraiment très très beau! Justement les très jeunes enfants, les trop jeunes enfants. Waouh, des fleurs. Waouh, c'est beau. Et alors le pauvre gars, il est... il est mort. Masque. Olé, oula. Oui, oui, évidemment. Oui, surtout. Ah bah non. Elle ne change pas. Alors. Première chose. Qui est voyant, c'est ce petit bout de morceau. Sans doute de veste orange. Ah non. C'est une carte. Il a super manigré sur un petit bout de papier. C'est fou, ça. C'est ouf! Des Prémilux dans cette pièce! Ah bah je sais pas. Mais c'est une très 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 bonne question, mon petit gars. Mais d'abord, cette épée qui est couverte de sang. Qui est couverte de sang. Bon oui. Ah bon? Ah oui. Oh, ça va servir à rien. Oh, je te le dis que ça va servir à rien. Je peux examiner son masque. Oh, et le masque. Ah, c'est un copieur. Ah, c'est pas officiel. Je comprends mieux.
ancienne et là-haut. Est-ce qu'il y a un jeu de mots? Sans doute. Merci, Benjamin Hunter. C'était. Waouh! C'était vachement bien. Regarde cette statue des Primilux maintenant. Si tu peux y arriver. Voilà, tu vas y arriver. Et ouais, c'est fou ça. Si je l'examinais avec. Elle est où la photo? Avec cette photo. Ah, ça doit être une corrélation possible. On l'a bougé! Où a touché le socle? Est-ce que cela veut forcément dire que cette statue est impliquée? Non, je sais pas trop. Bon, Paul, sac à merde. Ah bah non, remettez la musique, l'autre musique. Quoi? Ah! Laquelle? Oula! Promesse. Putain, ils avaient prévu le coup super tôt pour 51 degrés. Ou alors c'est sorti avant. Bon, mon petit Paul. Entre nous. Entre nous. Quelle est la connerie que tu as fait? Dis-moi tout, Paul. Ah voilà, c'était Laurence d'Oxime. C'était. Dans le Trials and Tribulations, la dernière affaire. Voilà. Oui, c'est vrai que maintenant. Putain, Hélène haï. Oh là là, oh c'est moche. Oh là 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 là. Ah les enfants, ne suivez pas l'exemple de cet homme, hein. Les jeux vidéo, c'est pas réel. Non, alors déjà, si on pouvait aller dans les salles de tribunal habillé comme Benjamin Walter, mais alors là, oh, un grand pas en avant dans l'esthétisme de la justice serait fait. Bon. Que faisais-tu au moment du crime, Paul? Je veux le savoir. Non! Putain, te soupçonner! Oh, tout de suite! Tout de suite, oh, je me soupçonne, voilà. Oh, je ne comprends plus. Je ne sais pas cet homme. Toujours des vérités rapides. Oh, cet homme, hélas. Alors, que sais-tu? T'es passé par la cheminée?
Ah, j'avais raison avec le Père Noël samouraï. Eh. J'avais raison. Comme quoi. C'est débile, mais ça marche. De la fumée. Intéressant tout ça. Ah bon? Je suis pas sûr. Hein, tu le sais, dis-moi que tu le sais. Ouais. T'es sûr que tu l'as encore? C'est fou ça. Et ben, être impliqué dans une affaire de meurtre. Par exemple. J'en ai marre de toi, Paul. J'en ai vraiment marre de toi. Alors moi je crois. Parce qu'il en est capable. Voilà. Crois-moi. Oui. Je te crois-moi. Une autre approche. J'ai trouvé, il y a un truc qui me gêne. Grâce à cette photo, je vais le prouver. Je sais pas si ça va marcher, mais... Essayons. Hein, au pire, si c'est pas ça... Eh bah tant pis. Non, 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 ici, là. Ah, c'est pas ça. Bon. Ah mais... Alors, d'accord. Ah, est-ce qu'il fallait que j'active ce dialogue pour que ça marche? Ah si c'est ça, mais... Ah, c'était énervant. Ça va être énorme. Donc là, si je fais déduire et que je fais, voilà, c'est long. À moins que il m'a marqué quoi d'ailleurs, Monsieur Hunter, son bras d'acier, papa combien de nouveau. L'annonce? Non. Bon, peut-être j'ai pas vu l'annonce aussi. Hein. Voilà. J'ai pas vu l'annonce. C'est moi, j'ai pas vu l'annonce.
Tais-toi, Paul. Ah, et c'est là que je dois montrer la lame tordue. D'accord, ok. Donc, voilà, on présente. Voilà, il fallait activer le dialogue! Non, un petit peu tordu, légèrement. Oh mince alors, écrasé. C'est une ambassade, oui. Non, à peine. Ah bon? Et c'est que maintenant que tu me le dis. Ah! J'en ai marre de toi, Paul. Pourquoi? Pourquoi? Ah! J'en ai marre, Paul. Pourquoi tu es énervant, Paul? Ah! J'en ai marre de toi. Je veux. Non, j'en ai marre en fait. Non, tu m'ennuies, Paul. Bon, bah c'est bon. Allez, on va dire que c'est bon. Eh ben, en fait, non. Ah oh, mon dieu, ils sont deux. Aucune réponse. Parfait. Je vais aller lui parler. J'ai fait deux pas pour activer Zyratic. Oui. Merde. Ah. Alors. Non. Alors non, je ne suis pas d'accord. Oh là 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 là. Pour me plaindre. Benjamin Hunter, le séducteur qui ne voulait pas l'être. Oh, c'est pas mal comme, comme titre, ça. Ah, oh, mais merde, non, non, mais moi, je voulais pas que les vents tournent, non. Je voulais que les vents restent où ils étaient. Oh, ça soufflait dans le bon sens, hein, je vous assure. Hein. Moi, dans un sens, toi, ailleurs, et puis, voilà. Ah mais non, mais jamais. Ah non, sûrement pas. Non, tu crois? Ah, alors, bonjour déjà. Hein. Et puis, réponds à mes questions, s'il te plaît. Est-ce que c'était hier? Oh, c'est une bonne question, donc. Ah.
ça explique pourquoi c'est pas Paul en fait, hein. Pourquoi c'est pas l'autre. Hélène, voilà. Ah, vous écrivez très très mal. Oh là là. Oh non, oh non, 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 non. Tais-toi. Ah mais je veux. Merci, tu contribues à l'enquête. Ah bah, je ne doute pas que certaines personnes ont pleuré. Non, non, ne fais rien. Nienne, oula. Nienne. Hélène, ouf, Hélène, je viendrai visiter ta cheminée ce soir. Donc chevalier, oh c'est mal écrit. Ah, Paul, Paul. Non, c'est pas Flavie, c'est Hélène. C'est pas écrire. Je t'assure que c'est Hélène. Paul. Paul, je sais que tu es là. Ah mais non, moi jamais. Oui, je sais qui c'est. J'ai peut-être une idée. Comment ça, quel crime? Ça explique des choses. Paul? Je sais pourquoi il y avait de la fumée. Non, beaucoup trop d'allusions. Ah bah les hanches, vous savez, quand on vieillit un peu, les hanches, ça fait mal. Paul. Un chien. Oh putain, il y a un sample de chien. Pardon. Shiba.png. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pardon. S'il me trouve de la bouffe, je rigole très très fort. Il nous a trouvé quoi? Je me sens visé. Un sandwich, je savais. Je le savais. Ah, sans doute. Paul. Ah non. Oh, à son âge. Oh.
Flavie? Dites-moi, ma petite Flavie. Ah bah, il a trouvé un sandwich et un truc. Merci. C'est... Ma petite Flavie. Ma petite Flavie, entre nous. T'aurais pas jeté un vêtement dans le feu? Je peux pas la pré... Ah, présenter. Voilà, présenter. Ma petite Flavie, ne serait-il pas à toi? Comment ça, voler? Comment ça? Par... Oulala, ouais, une seconde. Ah bah oui, hein, c'est pas moi qui l'ai pris. Allez, allez, dis-le moi. Comment ça? Oui. Je pointe du doigt qui je veux. Oui, d'accord, si tu veux, tout à fait très bien. Bon. Bon. Très bien. Bon. Justement, je veux juste lire en toi, pas plus. Bon. Alors, ce hot dog, hein, d'où est-ce qu'il vient-il, là? Hein, tu les as bien tous distribués, hein? J'en ai dans la cheminée, quand même! Oui, ta hanche. C'est ta hanche. Qu'est-ce que c'est? Pardon, quoi? Tu les as mangés. Ah. Non mais ça va. Oh là 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 là. Ah, ça, je ne te le fais pas dire, ma grande. Bien. Bien, 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 bien. C'est le moment de logique. S'il y avait de la fumée dans la cheminée, ça veut dire qu'on s'est servi de la cheminée. La logique est implacable. Et ouais. C'était évident. Tellement évident, oui. Non, je pense pas à ce point quand même.
Voilà. Elle a compris. Elle a compris. Ce qui veut aussi dire que si l'on a jeté ce maillot dans un des conduits, ça explique que il est possible de l'avoir retrouvé ici et là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce... Oui, le chien, il est intelligent et bon. C'est ultra sexiste. Tellement de sous-entendus. Tellement de sous-entendus. Et oui. Mais pourquoi veux-tu me dire? En quelque sorte. Vraiment, je dois examiner le fond de la cheminée. C'était une magnifique cheminée. Il y a un X. Il se voit. Bien. Une trappe. Waouh. Ouais, c'est super important. Je le garde en tête. Non, à peine. Et puis, même si elle pouvait bouger, elle n'a pas assez de force. Elle est vieille. Elle est même très, voire trop vieille. Oula, voire trop vieille, exactement. Eh ben, c'était une enquête rudement menée. Je vous l'avoue. Bon, eh ben, c'est pas mal. Bon, alors, Link. Ah, ça te compte pas. Ça te compte pas. Ah, il s'est préparé. Ah, il est chaud. Il est chaud. Non, toi, t'es la ferme là. Parce que c'est pas bien de mentir. Waouh. Ah, c'était c'était un homme incroyable. Mais quand il était gamin seulement. Allez, Paul. On va y arriver, Paul. Vas-y, Paul. Alors. Ouais. Oui. 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 Waouh. Je suis pas ton ami. Mais t'es sérieux? Mais t'es sérieux? Ah oui, le spectacle, ça je m'en fiche. Ça je m'en fiche.
pareil. Je sais. Moi, il est Père Noël. Clin d'œil, clin d'œil. Oui, je m'en souviens. Ah oui, c'est vrai. On avait oublié. Non, mais c'est ultra personnel. Ce sont des choses que tu ne peux comprendre. Non, mais si, complètement. Absolument pas. Bien joué, sergent. Oui, d'ailleurs je me demande comment t'as fait pour l'avoir. Ah mais à qui? Ah. Ouais. C'est long comme réponse, tu peux faire plus court. Bon. Alors, elle est où? Elle est... Oh le petit gros! Oh c'est un petit gros! Oh c'est raciste! Pardon. Elle est... Je vous jure, je vais la trouver. Merde, elle est où? Elle est où? Merde, je l'ai perdu. Ah, voilà. Bon, encore que. Bon, c'est pas le bon nom, mais vous avez compris. Que c'était une vieille dame. On va y arriver, je vous jure qu'on va y arriver. Regarde bien, c'était sa conviction. Ah bah si. Bah regarde, regarde bien. Attention, 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 tu vas voir, c'est évident. Bah non, en fait. Comment ça, non? Oh, zut. Ah mince, je me trompais. Ah putain, il faut vraiment que je montre la bonne phrase. Oh, il faut que je montre la bonne phrase. Ok, d'accord. C'est bon, j'ai compris. C'est moi. Voilà. Voilà. Vérifier. Non, c'est pas ça. Elle est où? Ah, demande de remplacement. Voilà. Voilà, c'est ça. Demande de remplacement. Non, c'est ça. Oui. Évidemment, si tu sais pas que c'est elle. Je zappé une étape. C'est ma faute. Oh, même lui, il en a marre de déplacer ce nom. Non.
Non, 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 non. Non mais arrête! Ah mais jamais. Oui? Non, tu crois? Bah parce que t'es un méchant, en fait. Il a essayé. Oh, regardez-moi cette cinématique incroyable. Un P qui bouge. Oui, et donc. Bon, bah... On aurait pu finir vite, mais non, ça fait déjà une heure. Ouais. Alors, justement, en parlant de situations humiliantes, comment te dire que... Oh là là... Mais pourquoi, Paul, pourquoi... Oh, mais même elle a compris. Non, bah, Flavie, tais-toi. Arrête de parler, je t'assure, arrête de parler. Oui. Oh, sûrement, sûrement. Bah, une preuve. Comment tu veux, vraiment? Mais d'accord, mais si tu veux que je te fasse passer pour un menteur, mais très bien. Mais si tu veux, écoute, c'est toi qui l'as demandé. T'es très bien de ta part, hein, mais je t'assure que t'aurais dû te taire. Bon, c'est pas là. Voilà. Alors, pourquoi irais-tu te mettre dans une situation humiliante? Eh ben en fait, tu vois, c'est très simple. Tu as laissé une lettre de par la cheminée. Voilà. C'est que... Voilà, c'est ça. Hein? Ah, ouais. Bah parce que... Alors, c'est pas Flavie parce que c'est mal écrit, c'est Hélène. Non, il a juste mal écrit. Benjamin, c'est une très, très, très belle phrase à connotation. C'est une très belle phrase à connotation, Benjamin. Tu le sais, ça! Voilà, c'est juste mal écrit. Voilà. Voilà, en fait, il sait pas faire un E. Et ça, c'est un I. Ça, ça doit être un N et pas un V. Et, ouais, il sait pas écrire, hein, c'est une faute. Heureusement que j'arrive à lire. Mais c'est toi qui l'as cherché. Hé! Hey.
Tu l'as cherché? Hey! C'est pas ma faute! T'as voulu faire le con! Mais t'as fait le con! Eh ouais, mon gars! Alors ça, c'est petit. C'est vraiment petit, en fait. Moi, méchant. Jamais. Écris Hélène. Vas-y, écris Hélène. Ou bien, pas la peine que je lui écrive. Tu refuses? Ah mais t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut. C'est fou ça. Hein? Cette magnifique lettre incroyable. Putain, tu écris vachement mal. En fait, c'est super chaud. Regarde, un autographe. Regarde, si on fusionne les deux, c'est la même écriture. C'est ouf. Bon, maintenant, dis-le que c'est toi. Merci. C'était long. Ouais. Tu sais que c'est énervant en fait. Tu le sais que c'est énervant. Tu le sais que j'en ai marre de toi. Oui. J'avoue qu'en raccourci, il y a juste à défoncer un mur. C'était sous la porte? Ah. Ouais. Ah, ça y est, on a fini? On a fini. Oui, on a perdu du temps par contre, c'est clair. Frappe-le encore une fois? Oui. Oui. Exact. Oui, monsieur. Ah. Ah bah écoute, hein, y a des trucs comme ça, on peut rien faire. Ah mais je n'imagine rien, ne t'en fais pas, je n'imagine rien. Bah que tu n'es pas tiré d'affaire. Ah oui, l'épée. Enfin, l'épée et la lance. Enfin, la lance. Solidité de cette lance. Moche. Nul. Non, le loup que je suis. Pas ce loup que je suis. Parce que le sens est différent. Je pense. Oh oui, contre toi! Génial! J'adore. Eh ben, allons-y. Rise! Vas-y. Dis-moi tout. Oui. 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 Ouais, d'accord, bah très bien. Tu sais que c'est. Ah oui, putain, il y a ce sample. C'est vrai qu'il a ce sample. Oh la vache. Oh, cette VF incroyable. Comme je suis outré.
Ah, je suis outré. Alors, pas tous les procureurs. Attention. Pas tous. Ah ouais, t'es trop con, mais ça c'est sûr. Ah bah. Oui. Irréfutable. Oui. Oui, je vais découvrir le corps incroyable. C'est un direct, tu vois que c'est du sang. Je veux bien que le sang ait une odeur et une couleur assez prononcées, mais quand même. C'est très très intéressant ce que tu viens de me dire. Ouais. Alors si je peux me permettre, hein, et je vais me permettre, je pense qu'on peut aussi hypothétiquement dire que ça pourrait être la lance du samouraï d'acier, parce qu'en fait si tu le frappes, et ben la lame se tord. Et on voit clairement que c'était tendu, parce que contre un mur, ça se voit un peu mieux. Ce serait pété en fait. Complètement pété, pas tordu. Donc moi, je vais te dire non. Rien, c'est une. Ouais. Ouais, je sais. On va passer en palais à sommer les gens. Ah, il a bien compris. Oh, ce complexe que tu fais. Allez, réfléchis un peu dans ta tête. Oui, exactement. Enfin, ouais, il a compris. Ne te mets pas en position de combat. T'aurais pu me le dire avant. Tu le sais, ça. Ah, t'es choqué? J'irais mettre c'est les 15J. Non, je ne savais pas. Ah bah oui. Ouh, ça parle mal. Ouh, comment ça parle mal? Oh, j'aurais pas aimé. Oh là 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 là. Oh, ça y est, c'est un règlement de compte. C'est un règlement de compte, mais c'est trop bien. Oh là là. Ah, ça règle ses comptes. Ah là là. Attention, ça peut partir en combat. Attention. Ah là là, ça y est, ça parle mal, ça veut casser les culs. Voilà là. Ah là 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 là. Attention. Ah, non, oui. Oh là là. Oui, t'es pas alors qu'il s'écroule tandis que. Ah, blablabla. Ah, blablabla. Ah, merci. La suite. Alors. Fragile, fragile, j'espère que tu parles de toi.
Admettons, certes, admettons. Eh ben, admettons. En effet. En effet, en effet. Mais. Si je peux me permettre. Agent Long. Exactement. Je vais te le dire. TKT, je vais te le dire. Alors, mon cher ami Alpha Long. D'après les moules de preuves dont je dispose. Oh. Voilà. Moi, j'ai envie de vous dire. A-t-on vraiment tout fouillé? Voilà. Mon cher agent Lang, vous avez oublié un endroit. Et pourtant, un objet qui se trouve dans cette pièce. Ça fait deux fois quand même. Alors non, justement, ils n'ont pas tout fouillé parce qu'ils sont... Bah, ils ne sont que... agents. Ouais. Trois fois... Et il faut te calmer. Voilà. Avez-vous compris? Non, il n'a pas compris. Très bien. Cette chose. Ouais, c'est bien. Passez vite. Ah, c'est... Justement, réfléchis. Bah justement. Ah, il a fait un lien dans sa tête. Les paroles limpides, tu sais que cet homme, il est en train de t'emmerder? Bon, oh, il est pas content. Ah. Ton mentor a de drôles de paroles, hein. Je tiens à le dire. Ah, il y a un problème? Ça m'étonne pas. Oh, bah mince alors. Ah, c'est ballot. Oui. C'est bizarre ça, ça me rappelle une affaire. On s'en fout.
On s... Ah, ça y est. Ça y est. Ah, merci. Tu es très bien. Tu es très bon. Bon, allez, on y va. Est-ce qu'il y a un QTE nul ou si je casse le truc, c'est terminé. Oui, c'est le but. Vas-y. Ah mon Dieu! J'avais raison. Merci, connard. Ah mais j'ai pas dit ça. Oui. Ah. Voyons voir cette épée plantée ainsi. Cette statue est statuesque. Non, c'est tellement gentil. Si je la retourne. Oh, c'est... Elle est pas dégueu cette statue quand même. Elle est pas dégueu. Oh puis très belle. Oh bah oh, une empreinte. Et ça alors. Oh. Ah bah c'est... Oh c'est un hasard. Je sais pas. Tu réfléchis pas. Ah bah pire scénario du monde, je sens que c'est ça. Quoique. Alors. Attention. Bon, moi je dis que c'est Paul. Sans aucun doute, je dis que c'est Paul. C'est Jean Questo. Waouh. Oh, ce scénario est incroyable. Oh, il y a des révélations. Ah, il y a des twists. Moult twist. On ira en suivre. Oh, c'est beau. Alors. Après 1h25 d'ennui. Parce que là, carrément, c'est ennuyé. Alors, on a revu Paul. Paul qui est juste là pour faire perdre du temps à l'histoire. Donc, ça, c'est super intéressant. Flavie Chouette qui est là juste pour encore faire perdre encore plus de temps par rapport à l'interrogatoire de Paul, ce qui est génial parce qu'on adore perdre du temps. Et notre ami Lang que l'on a revu émet des révélations sur la fin toujours aussi. À la fin, les dernières minutes, à partir du moment où il y a un twist, on sait que c'est la fin, mais ça hype. Ça hype. Ah, je veux la suite. Je veux la suite. Je veux la suite. Parce que là, il y a des choses qui se passent. Il y a des révélations. Et ça, c'est beau. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode de ma compagnie. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à l'aimer si vous avez aimé. À mettre un petit pouce en l'air. Hein, ça fait plaisir. À commenter si vous le voulez.
Vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite et si le contenu de la chaîne vous plaît, à me suivre sur Twitter où je suis le plus présent et à rejoindre le Discord qui se trouve en description de la vidéo si vous le voulez pour dire passer bonjour, tout ça. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Miles Edgeworth Ace Attorney Investigation.